Allô, c'est qui ? Allô. C'est qui ? Oui, bonjour, je suis Maxime Guillon du service juridique de votre opérateur mobile. Écoutez, je vous appelle pour vous parler d'une dette que vous avez actuellement à notre égard. Est-ce que vous auriez une petite minute pour en parler, s'il vous plaît ? Parler de quoi ? Merci beaucoup. Alors, laissez-moi simplement vérifier sur mon ordinateur. Voilà. Alors, le numéro que j'appelle est endetté de 108,56 €. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous comptez régler cette somme ? Alors attendez, laissez-moi regarder en détail le décompte. Alors il s'agit en fait d'une dette qui est liée au non-paiement d'un forfait voyage que vous avez contracté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir contracté ce forfait ? Je n'ai pas fait de voyage. Oui, je comprends bien. Alors écoutez, moi je n'ai pas plus d'informations à ce sujet au service juridique. Par contre, je peux vous passer le numéro du service client qui vous informera bien mieux que moi sur toutes ces questions-là. Simplement une chose, donc vous ne comptez pas régler votre dette maintenant. Non. Très bien entendu. Alors, moi, je dois simplement vous dire que si vous ne payez pas, nous allons devoir vous inscrire sur une liste noire de crédit. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir du mal ensuite à emprunter de l'argent dans d'autres organismes. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. Écoutez, je comprends, mais vous devez comprendre aussi que vous devez payer pour que vos services fonctionnent. Les entreprises ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Okay. Très bien. Alors, oui, juste une petite dernière chose à vérifier. Votre nom est bien Bérangère de la Motte ? Non, c'est pas moi, ça. Ah, bah écoutez, bien, dans ce cas-là, en fait, vous n'avez aucun problème chez nous. Mais alors, par contre, peut-être que quelqu'un vous a fait une blague. Ok. Alors, ça vous a plu ? C'est qui ? Vous, Rachel ? Allô ?